Pierre. C'est lui qui va partager avec nous la parole ce matin. Ne t'inquiète pas. Hein, il avait déjà depuis de nombreux jours reçu dans son cœur quelque chose qui m'a semblé tout à fait nécessaire de partager ensemble. Alors on est avec toi. Et puis on veut vivre ce moment de la parole aussi. Que Dieu te bénisse. Merci. Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour à tous. Nous voyons Dieu agir dans le monde entier. Et je crois que Dieu veut agir aujourd'hui et maintenant dans notre vie. Amen. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous avons soif de ta présence, soif de ta parole, qu'elle puisse illuminer les yeux de notre cœur, afin de nous conduire sur le chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Nous comptons sur ton Esprit Saint, c'est lui qui est à l'œuvre dans l'Église et dans le monde entier. Et nous voulons, Seigneur, te rendre grâce parce que tu as tout accompli, tu nous as tout donné. Seigneur, nous n'avons besoin de rien que de te remettre notre vie entre les mains. Alors c'est ce que je fais ce matin. À toi, soit toute la gloire. Amen. Je voudrais vous dire une chose que vous savez, mais je veux vous le redire. Dieu t'aime. Tout ce qui a été fait dans le monde depuis la création jusqu'à aujourd'hui a été fait par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu englobe toute chose. Et il y en a qui ont dit que il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Alors, je suis à moitié d'accord. Parce qu'en réalité, c'est vrai qu'il n'y a que des preuves d'amour. Et là-dessus, Dieu a prouvé son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous est dit que Christ est mort pour des impies. Et ce mot impie est très fort parce qu'il est contre la religion. Il nie même l'existence de Dieu. Et cet amour est puissant pour changer même le cœur des plus durs. Et je veux vous parler de cet amour parce que c'est la base de notre foi. Et c'est vrai que c'est le moteur de notre foi. Je veux que vous soyez conscients de l'amour de Dieu pour vous. Et il l'a prouvé, nous l'avons lu, enfin nous le disons dans sa parole, hein, Dieu prouve son amour envers nous. Jésus est mort à la croix. Ça c'est une preuve d'amour. Alors peut-être des gens vont mourir pour des choses, des idéologies ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que Dieu, lui, il est mort pour des pécheurs que nous sommes. Il y a dans l'histoire de la Bible une histoire, celle du fils prodigue. Et je vous invite à la lire, à la relire et à plonger les regards dans cette histoire. Parce qu'en réalité, nous voyons le fils prodigue, mais le personnage le plus important, c'est le père. Bon, nous n'allons pas la lire parce qu'elle est assez longue, mais vous souvenez de cette histoire. Ce fils n'a pas eu honte de dire au père, « Donne-moi les biens qui me reviennent. » Je ne sais pas, mais quand il y a un testament, la personne doit décéder pour recevoir les biens. Et lui, son père est vivant. Alors mettez-vous à la place du père. Votre fils vient vous voir, il dit, « Oh papa, tu me donnes ce qui me revient. » Je ne suis pas mort encore, je suis là, ça m'appartient. Non, le père lui a partagé la part, il lui a donné. Et il est parti loin de la présence du père. Il est parti même dans un lieu de débauche. En réalité,
c'est un lieu de perdition pour son âme. L'amour du Père n'a pas varié d'un seul iota. L'amour du Père pour vous ne varie pas, mes frères et sœurs. Même si vous êtes dans un endroit le plus ténébreux aujourd'hui. Parce que Dieu veut que vous reveniez à lui dans sa présence. Et il a payé cher pour cela. Cette histoire du fils prodigue, il faut l'avoir dans le cœur. Parce que pour nous, elle est très très importante. J'allais dire même vitale. C'est une histoire qui nous montre la puissance de l'amour de Dieu pour nous. C'est vrai que à la croix, nous voyons là l'amour de Dieu dans toute sa puissance. Mais de l'autre côté de la croix, du côté de Dieu, c'est vraiment tout l'amour qu'il a pour l'humanité et pour toutes les générations. Ceci étant dit, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, il est très important. Alors j'espère que vous êtes convaincus maintenant de l'amour de Dieu pour vous. Jean au chapitre 1 Jean 2 nous dit que « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Alors si vous êtes dans une position difficile devant Dieu, que vous avez peur de revenir dans la présence de Dieu parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, comme le fils prodigue, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Et c'est vrai que Jean nous en parle. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est vrai qu'il peut nous séparer de cet amour. En fait, j'y reste. Cet amour, c'est vrai, rien ne peut nous en séparer. En réalité, du côté de Dieu, rien ne peut nous en séparer. C'est vrai que ce sont nos péchés qui nous séparent. Mais Dieu a fait tout ce qu'il faut pour nous libérer de ce péché, pour nous libérer de cette emprise et que nous puissions rentrer dans sa présence. Il nous est dit en Romains 8, verset 35, « Donc, qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité ou le péril ou l'épée ?» Un peu plus loin, au verset 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Alléluia. Et au verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » L'amour du Père et l'amour du Fils sont un seul et même amour. Notre force est donc dans la compréhension de l'amour de Dieu. C'est le moteur de notre foi. Oui, je le répète. Et peut-être allez-vous me dire que vous avez peu de foi ou pas la foi. Alors, je reviens à la parole de Dieu qui nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, dans la parole de Dieu, il y a tout pour que notre foi aille de l'avant, grandisse, s'épanouisse. Alors je vous invite à ouvrir la parole de Dieu et avec humilité, en laissant Dieu et le Saint-Esprit diriger votre lecture.
le laisser éclairer vos cœurs. Et la foi va se manifester à vous, va grandir. La Bible, quand nous la lisons, c'est comme un arc-en-ciel, même comme un puzzle. Chaque histoire peut nous parler d'une manière ou d'une autre. Et toutes les histoires ensemble racontent encore comme un tableau merveilleux. C'est la parole vivante. Elle est extraordinaire. Elle change, elle transforme et elle produit la foi que nous avons besoin. Pourquoi la foi ? Parce qu'il nous est dit encore dans la parole que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà où je veux en venir. Nous avons besoin que la foi grandisse, aille de l'avant dans notre vie. Parce que c'est la seule chose qui va nous faire triompher. Je veux lire ce passage dans 1 Jean 2 au verset 15. Il nous est dit, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. » Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le verset qui suit nous éclaire sur le monde où nous vivons. Il nous est dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Nous vivons des temps les plus terribles de l'histoire de l'humanité. C'est pas moi qui l'ai dit, mais je vous le dis. Nous avons besoin de la grâce de Dieu chaque jour pour combattre le bon combat. Il y a la puissance des ténèbres d'un côté et la puissance de Dieu de l'autre. Et nous sommes tiraillés d'un et de l'autre côté. Éphésiens nous dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Et nous avons besoin de prendre du temps dans la lecture de la parole, dans la communion les uns avec les autres. Et je dirais, dans tous les moments de notre vie, quand nous pouvons avoir du temps avec Dieu, dans la communion avec lui, par le Saint-Esprit. C'est vrai que nous sommes dans des temps difficiles, ce n'est pas facile avec le travail et toutes choses, mais je crois que si l'on le veut, on peut. Et cette communion avec Dieu, elle est importante pour nous faire remporter des victoires, pour nous faire grandir et pour se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ça, c'est mon introduction. Ça va ? La parole est bonne. Alléluia, c'est vrai. Maintenant, pendant une réunion de prière, j'ai eu peut-être trois images qui me sont venues et Michel m'a demandé de vous les apporter. Ces trois images, c'est dans Juges. C'est l'histoire de Samson. La première image que j'ai vue, c'est les portes de la ville. Samson s'en est saisi et les a arrachées, les a amenées en face d'Hébron sur la montagne. La deuxième image, c'est toujours l'histoire de Samson. Quand il va à Timna, un lion surgit et lui saute dessus. Ouais,
Vous savez ce qui s'est passé pour le lion, le pauvre. Il a déchiré le lion comme un fétu de paille, comme une page qu'on déchire. Et la troisième image, c'est quand le peuple d'Israël, les compagnons de Samson, sont venus le chercher pour lui dire, écoute, il y a l'ennemi, et il est sur nous, tu le sais pas ça, alors on va te lier et on va t'amener à lui. Et il a trouvé une mâchoire d'âne, et il en a tué 1000, et ils ont tous déguerpi. On pourrait lire, si vous voulez, dans Juges 16, au verset 1 à 3, cette première histoire. J'allais dire cette première étape pour nous. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit, et vers minuit il se leva et saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Petit indice, petite info. Samson, il devait avoir des tablettes Samsung. Non, ça c'est mon truc à moi, c'est juste pour détendre l'atmosphère. Parce que je vois que vous êtes un peu crispés. Non, non, il était comme vous et moi. Peut-être était-il sûrement plus fort que nous. Mais rien à voir avec quelqu'un qui arrache des portes qui devaient faire des tonnes et les amène à 70 km de la ville. À peu près 70 kilomètres. Cette histoire me fait penser à notre vie. La ville qui s'appelle Gaza, ça veut dire forte. Peut-être que votre vie est comme cette ville, forte. Et vous vous dites que, de toute façon, vous allez vous en sortir. Mais malgré votre lutte, il y a des choses qui se passent dans cette ville. Il y a des choses qui se passent dans votre cœur. Et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Vous n'arrivez pas à vaincre. Les portes de la ville ont été fermées. Et peut-être vous vous enfermez dans beaucoup de choses. Peut-être dans l'orgueil. Peut-être dans les souffrances, dans l'amertume, dans le ressentiment. Vous dites, Dieu m'a abandonné, Dieu n'agit pas. Mes prières ne sont pas entendues. Et les portes sont fermées. Aucun homme ne peut les ouvrir. Il y a un mal terrible qui touche notre génération, plus qu'avant. Et beaucoup de chrétiens. C'est la pornographie. C'est un mal qui amène l'homme dans les profondeurs de Satan. Qui emmène l'homme jusqu'à la perdition. Et si Dieu ne délivre pas, ça va dévaster la vie de celui qui commence à rentrer là. Peut-être vous êtes arrivé au bout et vous n'en pouvez plus. À quelque part, c'est une bonne chose. Parce que c'est quand on est au bout qu'on crie à Dieu.
il y a une espérance pour nous. Samson est là, dans la ville, et il est rempli du Saint-Esprit. Les gens qui l'attendent en embuscade, c'est un peu comme l'adversaire qui est dans votre vie et qui essaye encore de vous dire que vous n'avez pas besoin de Dieu, que vous n'avez pas besoin de lire la Bible, que vous n'avez pas besoin de prier parce que vous êtes occupé à tant de choses. Pour vous, il y a un espoir. Pour vous, il y a de l'espérance. Mais il vous faut faire quelque chose. Venir au pied du Seigneur. Il faut que vous lâchiez prise. Il faut que vous abandonniez votre force. Et quand vous cessez et comprenez, quand vous cessez de lutter et comprenez que le seul moyen de vous en sortir, c'est de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en vous. Et pour cela, il y a qu'une seule prière, c'est la prière ultime. David Wilkerson nous en parle de cette prière ultime. C'est quand on dit à Dieu, comme Jésus a dit à Gethsémané, que cette coupe s'éloigne, Seigneur. Trois fois il a prié, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Mes frères et sœurs, si vous êtes dans la misère, la souffrance, le péché, et si vous n'en pouvez plus, criez à Dieu. Dites-lui, non pas ma volonté, mais la tienne. Et cela va bouleverser votre vie, je vous le promets. Je suis convaincu que cela va changer. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va arracher les portes de votre cœur, de votre ville, et va les amener à un endroit où vous ne pourrez pas aller les chercher. Il va vous libérer. Seulement, il faut laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. Je voudrais que vous gardiez cette image de la ville où les portes sont arrachées. Et éloigné loin de cette ville. C'est la première étape. Nous arrivons donc à la deuxième étape. Nous pouvons lire dans Juges 14 au verset 5. À 7, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. À un autre endroit, la parole nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Eh oui. Même si nous sommes libérés de nos péchés, de nos souffrances, de toutes ces choses, nous avons un adversaire qui ne s'arrête jamais. Il sera au premier tournant, prêt à bondir sur vous. C'est pourquoi il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il est l'adversaire de Dieu, le malin, le Dieu de ce siècle, le tentateur, le prince de ce monde. Il est subtil. Son activité est incessante. Il veut détruire l'œuvre de Dieu dans votre vie. Il vous harcèle. Il vous tend des pièges. Il vous ment. C'est le père du mensonge.
il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'il est vaincu. Amen. Oui, Jésus-Christ a vaincu l'adversaire. Et c'est ce qui nous réjouit. Le Saint-Esprit a saisi Samson. Et de la même manière, nous voulons être remplis du Saint-Esprit pour déchirer ce que l'adversaire va mettre devant nous. Et si nous entendons sa voix, nous voulons fermer nos oreilles. Si nous avons devant les yeux des choses mauvaises, nous voulons fermer les yeux. Gardons cette image où Samson déchire le lion. Dieu nous donne cette force sur l'adversaire et sur tout ce qui veut nous mettre devant nous. Ça, c'est la deuxième image ou la deuxième étape. Alors, nous passons à la troisième. C'est dans Juges 15, au verset 4 et 5. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux, puis tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, il lâcha les renards dans les blés des Philistins, embrasa le tas de gerbes de blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Au verset 9, alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Léki. Les hommes de Juda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent, « Nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous ? Et que nous as-tu fait donc ?» Il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent, « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Et ils le lièrent avec deux cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léki, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, et il étendit sa main pour la prendre, et tua 1000 hommes. Amen. Quel contraste de Samson avec son peuple. J'aurais pas voulu me retrouver dans sa situation, vendu par les miens. C'est un peu l'image de Jésus qui a été vendu par Judas. Parce que dans l'histoire de Samson, il y a des images de Christ qui sont très fortes. C'est comme un libérateur. Samson, son nom veut dire petit soleil. C'est la lumière qui est venue dans le peuple. Dans un peuple qui était en esclavage à cause du péché. Dieu a envoyé Samson pour les libérer. Alors bien sûr, nous allons peut-être regarder la vie de Samson du côté sombre. Mais moi, je veux regarder la vie de Samson du côté de la lumière. Rempli du Saint-Esprit, il tua 1000 hommes, 1000 ennemis, 1000 ennemis de ses frères et sœurs. Judas voulait rester dans son péché, sous l'esclavage des Philistins, alors que Samson voulait les délivrer. Cette image est comme notre vie qui est toujours attaquée
par mille et une façons, peut-être même au milieu de l'Église. Alors ça va nous étonner ou nous contrarier, peut-être même nous choquer. Mais l'adversaire est rusé. La parole de Dieu nous avertit de toutes ces choses. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, comme Samson, soyez remplis du Saint-Esprit et vous aurez la victoire mille et une fois. Pour revenir au fils prodigue, Dieu, le Père, désirait que le fils vienne dans la maison pour se réjouir avec lui, pour partager un repas et faire la fête, pour se réjouir dans les chants et dans la louange. En fait, Dieu désire ça pour chacun d'entre nous. C'est pour Dieu précieux que chacun de ses enfants puisse se réjouir. On a souvent tendance à demander, supplier, remercier. Oui, ce sont des choses qui sont bonnes, mais ce que Dieu veut, c'est une communion, c'est sa présence, c'est une réjouissance. Nous voulons aussi aimer Dieu en retour de son amour, parce qu'il nous a aimés le premier. Comment aimer Dieu ? Les réponses sont toujours dans la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, il nous faut toujours consulter Dieu en toutes circonstances, ou par sa parole, ou par la prière, ou par les frères et sœurs, ou par le pasteur. Mais Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Mais il nous parle. Soyons à l'écoute. Il y a quelque temps, Michel avait demandé de dire ce que Dieu faisait pour chacun d'entre nous. Et j'avais commencé à en marquer et la liste commençait à s'allonger. Je vais peut-être en dire deux ou trois, ça va permettre de la réduire. C'est des choses toutes pratiques, mais Dieu agit. Mon travail me prend beaucoup de vie, je vais dire, me prend beaucoup de temps et beaucoup de choses, et je suis je voudrais qu'il soit toujours bien fait jusqu'au bout. Et la dernière, c'était vendredi. Je loupe un client et son colis est resté dans mon camion. Alors je me dis, de toute façon, ça ne gêne pas, le lendemain, j'allais lui déposer ce colis. Le lendemain, quand je vais pour lui donner, il a disparu. Je l'avais posé à un autre endroit. Alors, la boule est là. Seigneur, encore, je viens encore à toi parce que j'ai encore fait une bêtise. Alors, j'appelle le client, je lui dis, j'ai déposé un colis qui ne t'appartient pas. Il s'appelle Franck. Alors, il me dit, écoute, je vais voir, je te rappelle. Et puis, je me dis, mais non, mais mince, c'est pas à lui que j'ai déposé le colis, c'est ailleurs. Alors, je vais le chercher et je suis rassuré, je vais pouvoir le déposer au bon endroit. On a du temps, là ? Je sais pas. Alors, Franck me rappelle et il me dit, ah oui, ce que tu m'as donné,
y a un truc qui ne va pas, il y a des articles pour l'un, des articles pour l'autre. Ah, mais il me dit, t'en fais pas, je vais m'en occuper. Je dis, Seigneur, là, tu m'embouches un coin. Je l'ai appelé, mais je m'étais trompé, ce n'était pas la bonne personne. Mais en réalité, je l'ai appelé, et si je ne l'avais pas appelé, il aurait peut-être gardé les articles sans rien dire. Alors, je n'étais pas concerné, je n'étais pas fautif, mais je suis content parce que j'ai pu dire au fournisseur que l'erreur qu'il avait fait, lui, était réglée. Waouh ! Il y a plein de choses comme ça dans mon travail qui se font. Une fois, je pose un pare-brise et je m'en vais et il me rappelle, allô, ton pare-brise il est cassé. Oh. Un pare-brise, ça y est, c'est bon, je suis mal, mon patron, et ça y est, je suis un peu sur les nerfs quand c'est comme ça. Alors je viens le chercher et je le ramène au fournisseur. On déballe le pare-brise. Avant, j'avais prié, hein, Seigneur, aie pitié de moi. On déballe le pare-brise, rien, pas cassé. Je le ramène, j'ai dit, bon, allez, on n'en parle plus. Bon, vous allez dire, je parle beaucoup de mon travail, mais je vais vous en dire une autre. Je lisais ma Bible dimanche matin, je vous conseille de la lire tous les dimanches, tous les jours. Et je tombe sur un passage, Jéroboam, tout ça, je lis. Le dimanche matin, je vais au culte, je suis à côté de la plaque avec mon Jéroboam. Eh ben, le pasteur, il parle de Jéroboam. Je dis, c'est pas possible, mais purée, mais j'ai loupé quelque chose, quoi. Seigneur, garde-moi de passer légèrement sur ta parole, parce qu'elle nous parle, elle est vivante, amen. Allez, encore deux ou trois choses. Mais je ne veux pas vous faire perdre le fil de ce que je vous ai dit, de ces trois étapes. Mais je vais vous en raconter une autre. Je débroussaille chez moi, et dans la débroussailleuse, dans la tête qui tourne très vite, il y a un bout de fer qui s'en va. Et le fil disparaît. Donc là, c'est vraiment l'aiguille dans une botte de foin. Un petit bout de fer comme ça, qui est parti dans l'herbe, où, alors je cherche partout, je me dis, ma débroussailleuse, elle ne fonctionne plus. Il manque un petit truc, ça ne marche plus. Je cherche avec l'idée que de toute façon, comme ça, c'était impossible à trouver. Ah Seigneur, heureusement qu'on peut toujours s'en remettre à Dieu. Seigneur, fais-moi voir le fer. Des fois, on n'a pas beaucoup de foi. Bon, des fois, on fait ça par habitude. Bon, ben, voilà Seigneur. Eh oui, il nous surprend. Hein. Je regarde. Oh, je vois un truc noir. Qu'est-ce que c'est ? Je me baisse au milieu de l'herbe. Mon fer. Merci Seigneur, je vais pouvoir continuer. Mais il y a plein de choses comme ça, que ça soit matériel, que ça soit spirituel. Dieu veut être à l'œuvre dans notre vie. J'en dis pas plus pour les expériences, mais j'en ai d'autres. Hein. J'en ai d'autres. Je vous en dirai plus la prochaine fois. Oui, Dieu nous donne un commandement. C'est le commandement royal, la loi royale. Nous voulons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si nous mettons en pratique les commandements, c'est comme ça que nous aimons Dieu. Dieu dit dans sa parole, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et dans le psaume 19, vous pouvez le lire. David se réjouit dans la parole de Dieu, dans les statuts de Dieu, dans les commandements de Dieu. Et Dieu voit aussi, si nous mettons en pratique,
que nous aimons notre frère, que nous voyons, c'est que nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas. Et si nous n'aimons pas notre frère que nous voyons, comment nous pouvons dire que nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas ? Garder ses commandements, c'est aimer Dieu. Mais pour les garder, il faut les lire. Je crois que je suis arrivé au bout de mon message. Donc je vous invite à, dans cette année 2017, nous avons un programme chargé, mais je crois et je suis convaincu, et je crois que vous l'êtes aussi, qu'il va se passer des choses extraordinaires dans nos cœurs, dans nos vies, autour de nous, dans nos familles, dans nos enfants, les enfants qui sont à l'école du dimanche, autour de nous, dans la ville, dans notre département, dans notre pays, dans le monde entier. Jésus revient bientôt. Mais avant, nous voulons voir sa puissance sur nos vies et sur nos cœurs. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Parce que ce que nous voulons, c'est marcher selon ta parole, tes commandements. Nous désirons que cette parole porte du fruit en nous. Nous voulons marcher par l'Esprit. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous voulons laisser notre vie être conduite par le Saint-Esprit. C'est là ce que tu désires aussi. Et nous savons que là, c'est ce que tu veux et ce que nous voulons. Et nous serons dans le chemin que tu as tracé pour nous, qui est parfait et qui mène à la vie éternelle. Seigneur, conduis chacun d'entre nous. Et gloire te soit rendue. Amen.